Et bonjour, bienvenue sur l'anarchie du gaming. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de Ghost des Software. Vous savez que je suis un amoureux des Souls, notamment ceux de From Software. Et donc aujourd'hui, j'ai décidé de parler des boss féminins. Voilà. Alors, en règle générale, From Software a l'habitude dans ses boss de vous montrer des boss assez gigantesques, assez monstrueux, des boss, des chevaliers qui font 15 fois notre poids, 20 fois notre taille, des monstres aussi gros qu'une maison, voire plus, des dragons, mais il y a aussi des boss féminins qui sont en nombre quand même sacrément réduit et qui ont quand même une certaine grâce dans leur gestuelle. Des danseuses, des chorégraphes. Voilà. Donc j'ai décidé de faire mon petit top. Donc, je vais vous parler de 6 boss féminins. Donc je vais vous parler de ceux des 3 Dark Souls, Bloodborne, Sekiro et Elden Ring. Alors je vais pas parler du boss féminin de Demon's Souls, parce que c'est une double sainte qui ne bouge pas. Elle reste assise au fin fond de sa grotte remplie de peste. Et elle est gardée par son chevalier. Le combat contre le chevalier est certes assez poussé, assez hardcore, parce qu'en plus d'avoir la peste, on l'affronte dans un couloir quand même assez restreint. Donc voilà. Mais pour moi, c'est pas réellement un boss, c'est le boss de l'archipierre. Ça m'embêtait de la mettre dans le top 5. Des personnes dont je vais parler juste après. Donc voilà. Donc n'oubliez pas de mettre un petit like si la vidéo vous plaît et de vous abonner pour plus de contenu. Et on attaque donc le top 5 maintenant. Priscilla est un personnage dans le jeu Dark Souls. Elle est également connue sous le nom de Priscilla la Croisée, Priscilla la Demi-Dragon ou Priscilla la Traîtresse. Priscilla se trouve dans le monde peint d'Ariamis, une zone optionnelle du jeu. Priscilla est une croisée entre un dieu et un dragon, ce qui fait d'elle un être unique et puissant. Elle est dotée de caractéristiques de dragon, comme des écailles, une queue et des yeux perçants. D'ailleurs, si on lui casse la queue lors du combat, on récupère une arme. Les dieux ont créé le monde peint d'Ariamis comme un refuge pour les êtres abominables, et Priscilla en fait partie. Priscilla est pacifique et ne cherche pas à combattre les joueurs. Cependant, elle est piégée dans le monde peint et ne peut pas le quitter. Elle exprime son désir de solitude et de paix, et elle demande aux joueurs de la laisser tranquille. Lorsque les joueurs choisissent de l'attaquer, elle se défend avec puissance, mais sa mort n'est pas nécessaire pour terminer le jeu. La rencontre avec Priscilla soulève des questions sur la nature de la moralité et de la compassion dans l'univers de Dark Souls. Certains joueurs choisissent de la laisser en paix, tandis que d'autres décident de la combattre pour obtenir son arme unique, la grande faux de Priscilla. Cela reflète le thème récurrent de Dark Souls, où les choix du joueur ont des conséquences morales et influent sur le déroulement de l'histoire. Priscilla a la capacité unique de devenir invisible pendant le combat. Cependant, elle laisse des traces de sang sur le sol, ce qui peut aider les joueurs à la localiser. Les attaques de Priscilla peuvent infliger le statut de saignement. Alors, soyons prudents.
Lady Butterfly, également connue sous le nom de Tokujiro, était autrefois une shinobi célèbre et redoutable. Elle était une collègue et mentor de Lou, le personnage principal du jeu dans son entraînement shinobi. Depuis son enfance, Dame Papillon a pris beaucoup d'expérience dans la forêt d'Uzui, un lieu loin de toute civilisation, entouré de mythes et de mystères, idéal pour s'entraîner aux techniques d'illusion. La forêt d'Uzui est un lieu cité dans la description de deux des outils de prothèse, le plume des corbeaux de la brume et le kunai fantôme. C'est un lieu inaccessible. Elle se trouverait quelque part au nord d'Ashina. Elle est connue pour être une forêt aux nombreux mythes et mystères. On y trouve des oiseaux de proie et particulièrement des corbeaux de la brume. Ces oiseaux n'ont encore jamais été capturés car lorsqu'ils sont attrapés, ils disparaissent comme de la brume. Dame Papillon aurait passé une grande partie de son enfance dans cette forêt, lui ayant permis d'acquérir une expérience en technique d'illusion remarquable. Cependant, elle a trahi son clan et s'est rangée du côté des ennemis. Plus tard dans le jeu, Sekiro affronte Lady Butterfly en tant que boss dans le domaine Hirata. Elle est un adversaire rapide et agile, utilisant des attaques de saut et des illusions de papillon pour désorienter et attaquer ses ennemis. Son combat demande au joueur d'adopter une approche stratégique et d'être attentif à ses mouvements pour trouver des opportunités de contre-attaque. Affronter Lady Butterfly peut être un défi en raison de sa rapidité, de ses attaques agiles et de ses illusions, surtout sur la P2. Le lore de Lady Butterfly est intégré dans l'histoire plus large de Sekiro, qui explore des thèmes tels que la loyauté, la trahison et les conséquences de la guerre. Et donc la mention honorable revient à Elana, la reine squalide, qui est un boss de Dark Souls 2 rencontré dans le DLC Crown of the Sunken King. Elle est souvent considérée comme l'un des boss optionnels les plus difficiles du jeu. Elana était autrefois la reine d'une ancienne civilisation qui s'est effondrée à la suite de l'éveil du dragon en pierre Sin. Sin, qui est le boss ultime de ce DLC, était autrefois connu sous le nom de Calamet dans Dark Souls, mais dans Dark Souls 2, il apparaît sous une nouvelle forme et un nouveau nom. Sin, tout comme Calamet, est un dragon ancien et puissant. L'histoire de Sin est étroitement liée à la cité engloutie de Shulva, qui est l'environnement principal du DLC. Il est dit que Shulva était autrefois une cité florissante, mais elle a connu son déclin après que le roi de Shulva, Sunken King, a tenté de maîtriser le pouvoir du dragon en pierre Sin. Dans sa tentative de contrôler Sin, le roi a utilisé la magie pour lier Sin à la cité, mais cela a eu des conséquences désastreuses. La cité a été engloutie et Sin, le dragon, a été plongé dans un sommeil profond. Cependant, même en dormant, le dragon continue de protéger Shulva, émergeant pour attaquer tout intrus. Lorsque cette civilisation a commencé à décliner, Elena a cherché à résoudre le problème en utilisant la magie. Elle s'est tournée vers la maîtrise de la magie noire et a commencé à invoquer des créatures sombres et puissantes pour protéger son royaume. Le joueur la rencontre dans la cité engloutie de Shulva, dans la salle du sanctuaire des pèlerins. Elle est accompagnée de Velibor, une incarnation de la tempête qui peut infliger des dégâts avec des attaques de foudre. Dans le combat contre Elana, elle utilise des sorts de magie noire, invoque des squelettes et à sa deuxième phase peut invoquer Velstat, le gardien royal, un autre boss du jeu. La bataille contre Elana est difficile en raison de ses attaques puissantes et de ses capacités d'invocation, ce qui la rend imprévisible. Elana peut invoquer une variété d'alliés, y compris des squelettes, des porte-lait et même Velstat, comme je l'ai dit.
I dreamt for so long. My flesh was dull gold, and my blood rotted. Corpse after corpse left in my wake. As I awaited his return. Heed my words. I am Melania, Blade of Mikala. And I have never known defeat. Malenia est l'enfant de la reine Marika l'Éternelle et de son deuxième mari, le seigneur Radagon. Elle avait un frère jumeau du nom de Mikaela. Malenia et Mikaela étaient tous deux des Empyréens, ce qui signifie qu'ils avaient le potentiel de remplacer un jour leur mère en tant que nouveau dieu d'un âge à venir. Mais comme Radagon et Marika étaient en fait la même personne, Malenia et Mikaela sont nés affligés. Malenia était atteinte de la pourriture écarlate, qui la ravageait de l'intérieur et lui coûtait plusieurs membres. Tandis que Mikaela était atteinte d'une enfance éternelle, incapable de devenir adulte. À un moment donné, Malenia rencontra un épéiste aveugle, qui avait scellé un dieu extérieur de la pourriture. L'épéiste devint son maître et l'entraîna aux voies de la lame, lui permettant d'acquérir une force inégalée. Malenia finira par devenir une guerrière sans égale. Elle attirerait des serviteurs fidèles comme ces chevaliers nobles de la putréfaction, qui juraient de se battre à ses côtés malgré l'inévitable putréfaction progressive de leur chair, ainsi que des fidèles qui la considéraient comme une déesse. Les membres de la maison du Bastiombre, qui étaient tous nés maladifs, étaient naturellement attirés par la belle et féroce Malenia, qui était devenue une guerrière si puissante, bien qu'elle soit née dans la pourriture, et qu'elle ait besoin d'une prothèse pour se battre. Malenia et Mikaela étaient très proches, et Malenia devint la lame et la protectrice jurée de son frère, tandis que Mikaela travaillait sans relâche pour essayer de défaire les malédictions dans lesquelles ils étaient tous donnés. Bien qu'incapable de trouver un remède pour sa sœur, Mikaela a conçu une aiguille en or qui pourrait garder à distance la pourriture qui ravage le corps de sa sœur. Après la destruction du cercle d'Elden, Malenia et Mikaela ont tous deux réclamé des fragments du cercle brisé. Pendant les guerres entre les demi-dieux qui suivirent l'éclatement, Malenia dirigea une armée qui marcha vers le sud d'Elfael. Elle a remporté de nombreuses batailles, même son humble demi-dieu et porteur d'éclat Godric le Greffé, qui s'est mis à genoux à ses pieds pour demander grâce après l'avoir d'abord insulté, puis subi la défaite. Malenia et son demi-frère Radan seraient finalement les deux derniers demi-dieux encore debout dans le conflit. Leurs forces s'affrontèrent dans les terres sauvages de Kaelid, et les deux se livrèrent un duel acharné pour la suprématie. Au milieu du combat, la pourriture écarlate fut déclenchée par Malenia, entraînant sa première floraison. L'éclosion de la pourriture écarlate a dévasté Kaelid, le laissant comme un désert en décomposition, et a provoqué la dégénérescence rapide de Radan. Perdant la raison et le maudissant d'errer sur le champ de bataille comme une bête stupide, se régalant des corps de ses amis et de ses ennemis. Malenia elle-même n'a pas été épargnée. Libérée, la pourriture écarlate l'a laissée dans le coma. Elle fut sauvée par l'un de ses chevaliers nobles et amenée à Elfael pour atteindre la renaissance de son frère, qui s'était enfermé dans l'arbre dans le but d'inverser sa malédiction. Cependant, pendant son sommeil, Mikaela fut arrachée du ventre de l'arbre et emmenée par Mog, seigneur de sang, avant qu'il ne puisse sortir de son cocon. Pendant que Malenia dormait, la pourriture écarlate s'est échappée d'elle et a commencé à infecter Elfael.
Lorsqu'elle s'était épanouie à Kaelid, elle avait par inadvertance donné naissance au vampire de la pourriture, qui l'adorait comme une déesse et espérait la faire fleurir à nouveau, croyant qu'elle inaugurerait une nouvelle ère de pourriture. Le sommeil de Malenia est finalement perturbé par un sans-éclat qui a trouvé son chemin jusqu'aux racines d'Elfael. Les deux se battent et Malenia rencontre enfin son adversaire et subit sa première véritable défaite. Cependant, à la fin, Malenia succombe à la pourriture écarlate et refleurit, renaissant sous la forme d'une déesse naissante. Elle déchaîne toute sa fureur contre l'envahisseur, mais échoue encore une fois, ses dernières paroles étant des excuses à son frère disparu. Lady Maria est un personnage du jeu Bloodborne. Elle est l'un des chasseurs légendaires de la ville de Yharnam et joue un rôle important dans le lore du jeu. Elle apparaît dans le DLC. Lady Maria est autrefois une chasseuse de sang du vieux Yharnam, associée à la ville de Kanhurst. Kanhurst était connue pour son utilisation du sang pâle et de l'héritage de la reine Annalise, qui était une ville Blood. Les villes Blood étaient des aristocrates liés au sang et Lady Maria était l'une des chasseuses les plus éminentes de Kanhurst. Elle est la gardienne du Jardin Astral, une tour située dans la tour de l'horloge de la cathédrale de la chasse. Ce jardin renfermait des secrets liés à la recherche sur le sang et aux expériences macabres. Lady Maria est autrefois la disciple du chasseur Gernam, le premier chasseur, fondateur du rêve du chasseur. Cependant, elle s'est retirée du rêve pour des raisons inconnues et a été enterrée dans le jardin astral. Les joueurs affrontent Lady Maria en tant que boss dans le DLC The Old Hunters. Elle se bat avec un style élégant, utilisant le Rakuyo, une arme qui peut se diviser en deux lames. Son combat est considéré comme l'un des plus mémorables du jeu en raison de son agilité, de ses mouvements gracieux et de son lien avec l'histoire du jeu. Pendant le combat, elle exprime une certaine culpabilité et du dégoût envers elle-même. Après avoir été vaincue, elle déclare « Aujourd'hui, comtesse, retournez-vous vers votre repos éternel, car Lady Maria ne vous fera plus de mal. » Son combat se déroule en trois phases. La première phase, elle utilise principalement son épée Rakuyo et effectue des attaques rapides et acrobatiques. Lorsqu'elle atteint environ 70% de ses points de vie, elle entre dans sa deuxième phase. Son épée est enflammée, ajoutant des dégâts de feu à ses attaques. Elle devient plus rapide et peut laisser traîner des traînées de feu derrière elle pendant certaines attaques. Elle gagne également de nouveaux mouvements et le combat devient généralement plus intense. Quand Lady Maria atteint environ 30% de ses points de vie, elle entre dans sa troisième et dernière phase. Elle inflige des dégâts de sang supplémentaires à elle-même pour augmenter la puissance de ses attaques. Les traînées de feu de la phase 2 sont remplacées par des explosions de sang lors de certaines attaques, ce qui ajoute un danger supplémentaire pour le joueur.
Et donc voici mon petit top 1, Surfrid, également connu sous le nom d'Ashes of Ariandel, qui est un personnage clé du DLC de Dark Souls 3. Frid était autrefois une sombre de Londor, un groupe lié aux sombres cherchant à accueillir l'âge des ténèbres. Cependant, elle abandonna Londor et se rendit dans la peinture du monde d'Ariandel. Là, elle prit le rôle de gardienne, veillant sur le monde gelé et secret d'Ariandel. Frid est également liée à la peinture du monde, qui est un lieu caché dans lequel elle a trouvé refuge. Elle était autrefois associée à l'Église Noire et à l'Ordre des Aveugles, mais a fini par renoncer à son rôle et à son engagement envers l'Église. Au cours du DLC, les joueurs découvrent que Frid a un lien étroit avec le père d'Ariandel, un personnage mystérieux dont l'identité est révélée au fur et à mesure que l'histoire se déroule. Le combat contre Surfrid est divisé en trois phases. Dans la première phase, elle apparaît comme la gardienne paisible d'Ariandel. Cependant, les choses prennent un tournant sombre dans les phases suivantes. La deuxième phase révèle son côté guerrière, tandis que la troisième phase introduit une forme encore plus puissante, Frid revenant à la vie sous le nom de Noire Flamme. Le lore de Surfrid ajoute une couche de complexité émotionnelle à Dark Souls 3. Son histoire explore des thèmes de renoncement, de sacrifice et de recherche de refuge dans des endroits isolés. Pendant la deuxième phase, on affronte Frid avec le père d'Ariandel, qui est un grand corvien déformé, couvert de plumes, avec de longs cheveux noirs et un visage pourri, semblable aux autres corviens. Sa tête est disproportionnée par rapport à son corps et ses membres sont longs et minces. Avant de lui ouvrir le chemin, le bruit de lui se frappant avec son fléau peut être entendu par intervalle. C'est d'ailleurs une des armes qu'on peut récupérer avec leurs âmes. Il est attaché à une chaise où il plonge sa tête dans un grand bol qu'il utilise comme arme. Et quelle arme a fait très mal. Le père d'Ariandel est le gardien du monde peint d'Ariandel, considéré comme le dernier à l'avoir restauré après la pourriture du monde peint. Lorsqu'il rencontra la sœur Elfrid, elle le convainquit de renoncer à la destruction de son monde pourri et d'étouffer la flamme qui le brûlerait pour être remplacé par un nouveau monde pour le prochain restaurateur, choisissant de pourrir ensemble. Il se débat constamment, saignant sur la flamme, pour empêcher le feu de brûler son monde, car il a utilisé du sang dans la restauration, et seul ce sang pouvait empêcher le feu de flamber à nouveau. D'ailleurs, lorsque le sang de Frid coule vers le bol contenant la flamme, la vue de son cadavre met en colère le père Ariandel, le faisant se libérer et frapper le bol contre son sang non allumé, pour allumer la flamme et la raviver en restaurant sa braise comme une braise non allumée. Une fois qu'il meurt, il déclare que la prophétie des deux cendres et de la flamme s'est réalisée, et même après leur mort, elle reste brûlante. Et donc voici que s'achève donc ce top 5. Je voudrais remercier un ami, Guts, qui m'a aidé donc sur quelques boss, notamment sur deux parce qu'on les a fait sur sa partie à lui parce que je les avais pas. Il faut savoir que j'ai dû refaire les trois quarts des jeux pour arriver jusqu'au boss
en question pour que je puisse avoir des rushs. Pour éviter d'aller chercher des captures vidéo sur d'autres personnes, j'ai préféré donc les faire moi-même. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire votre top 5. Dites-moi aussi si ça vous a plu ou pas. Ce qui peut être amélioré dans ce genre de vidéo. Là, ça fait à peu près un mois que je travaille donc sur le lore de Bloodborne. J'aimerais voir sortir une vidéo dessus. J'ai toutes les rushs vidéo, mais je suis en train de me casser la tête un peu à essayer de regrouper toutes les infos les plus pertinentes possibles. Même si on sait très bien que les jeux From Software sont quand même très cryptiques, sujet à interprétation, mais il y a quand même certains éléments qui sont dits et expliqués, que ce soit dans la lecture des objets, etc. Donc voilà, je vais essayer de préparer une vidéo au mieux, sans trop d'erreurs. Donc j'ai un peu la pression, mais ça avance petit à petit. Je dois déjà être à 7 pages d'écrite, je crois. Donc une fois que j'aurai fini d'écrire, il va falloir recondenser tout ça, revérifier les infos, etc. Une petite précision donc sur le perso de Malenia. Je parle donc de son mentor. Et je fais une petite aparté qui n'a rien à voir avec la vidéo, mais qui est pas un teasing du DLC d'Elden Ring, mais comment dire, un avis personnel. Je pense que si dans le DLC on retourne en arrière, comme la plupart des DLC qu'ils ont pu faire chez From Software, donc on retournerait dans le passé, je pense que ce fameux chevalier masqué, ce héros masqué qui aura été le mentor donc de Malenia, juste là, je pense qu'on l'affrontera. Et je pense que ça sera un combat assez ardu, parce que dans la description des objets, ça a été dit que ce personnage a affronté et vaincu le dieu de la putréfaction. Rien que ça. Ça en dit long sur les capacités du personnage. Et j'espère que on aura un boss assez grandiloquent, assez fantastique, excusez-moi, à affronter. Donc sur ce, je vais conclure. Déjà, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Je vous remercie d'avance pour le like et l'abonnement si vous voulez un peu plus de contenu de ce genre. Donc, merci beaucoup. N'oubliez pas le partage, c'est comme ça que ça fera grandir la chaîne. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Allez, ciao ciao !